Peut-être qu'il pouvait pas m'inviter. Oh, c'est quoi ça? Ah, mais c'est le nouveau champion artilleur, je sais pas quoi là? On voit beaucoup de mages. Ok. On voit des skill shots, hein. Personnage à skill shot, tout ça. Hein. Ok, elle est cute. Le sort a l'air cool en vrai. J'aime bien l'animation. What the fuck? On dirait un Pokémon, genre. Je connais pas le nom du Pokémon, mais on dirait un Pokémon. Oh, le fire en AoE! Ouais, je joue vachement mêlé, j'ai l'impression. Hein. Short range ami, genre? What the fuck? Cool. You know what, Shadow? Sometimes I almost don't hate you. Oh, le skin est laid. Oh, le skin est immonde. Après, ça va dépendre des sorts, mais le skin de base est déjà très bien. Ah, le skin de base est vraiment super. Alors, attends, parce que là, l'ultime... Attends, mais c'est quoi cette portée de bâtard? Donc, l'animation est incroyable. Elle balance son ombre, genre, ok. Donc là, ça touche qui, là? Ça touche Teemo. Elle se téléporte dessus. Zone de fou furieux, qui est peut-être là où de Fear. Là, elle rebalance un sort. Ça ne Fear pas. On m'avait dit que c'était un artilleur et en fait c'est un mec qui a... Bah c'est un truc qui a 14 dash encore. Après en vrai tant pis, moi de toute façon c'est bon, j'accepte la méta, je vais jouer les champions à dash. Hein. Le champion a l'air très très fun à jouer par contre. Hein. J'aime beaucoup beaucoup l'esthétique. Du champion on dirait un petit gnome mage ou démoniste dans WoW. L'ultime a l'air jouissif à lancer genre. L'animation de l'ultime. Mais regarde-moi cette animation de l'ultime. Apparemment, tu réappuies pour te faire téléporter. L'animation est incroyable du skin de base. Parce qu'en fait, là, je vois son ultime sur 5 mecs. Elle est turbo-fed. Bah, j'ai l'impression que ça va être un champion qui va pouvoir faire des giga-clutch de fou furieux. Champion 1v9 potentiel, peut-être. Ok, le champion m'intéresse de ouf là. Est-ce qu'on a d'autres sorts ou pas ou... Ça c'était quoi du coup? Donc ça traverse le champion. Et le Fear, je comprends pas comment il fonctionne. Apparemment il y a une marque sur des champions. Donc t'as un genre de double W Lissandra qui, au lieu de snare, de route, je veux dire, ça fire. Oh, ça doit être le Q spell, il a l'air extrêmement jouissif à lancer. Donc ces sorts, ce serait quoi? Tu poses une marque,
Avec le E, le W c'est le Fear Instant en AoE. En mêlée, le Q Spell, donc c'est juste un sort qui traverse les ennemis. Je sais pas trop ce que ça fait. Et le R, c'est un truc qui va super loin. Si tu touches, t'es téléporté ou tu dois réactiver pour te téléporter. Et si tu tues un ennemi, ça reset. Ça devrait être ça à peu près, ces sorts, je dirais. Ok, là, franchement, là, je suis très hype, là. Là, je suis très, 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 très hype. Parce qu'en fait, là, ce que je suis en train de voir, c'est que... peut-être qu'on peut la jouer support. Après, support, alors en fait, le Fear mêlée, bof. Ça va dépendre de son sort. Le E, je sais pas trop ce que ça fait, là, la marque. Mais je crois qu'elle pose une marque. Ouais, elle pose clairement une marque, là. Parce que le Fizz venait et elle l'avait pas encore touché, donc ça doit être une marque à la Evelynn. Ou ça doit être le passif. Un passif en mode elle voit peut-être des cibles. Et je vous dis ça, peut-être que les sorts sont déjà sortis. Hein. On va se remettre une fois l'ultime là. C'est incroyable. Ouais, c'est ça, j'ai l'impression que son reset d'ultime. Son ultime reset. Et qu'à chaque fois elle peut se re-téléporter, genre. Et elle peut follow. Et je pense que le Fear ne fonctionne peut-être pas sur les cibles qu'elle a déjà touchées un petit peu à l'ult de Xingzao, genre. Est-ce que la marque est partie quand elle a fait l'auto-attaque? Ok, la marque est partie quand elle a fait l'auto-attaque. J'ai l'impression que le Q-spell est lent au début et après il va plus vite quand tu touches une cible, non? Ah non, il est lent au début et après il accélère. Putain, ça a l'air stylé en vrai. J'ai peut-être mal vu, hein. Ok. Je suis giga hype.